Le 14 février est associé à la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Mais pourquoi le 14 février? Et puis d'abord, qui était ce Saint-Valentin? Valentin était un Romain qui a vécu au 3e siècle sous le règne de l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Cet empereur menait des campagnes militaires aux quatre coins de l'Empire et il avait énormément de mal à recruter et motiver des soldats. Il s'est dit que c'était sans doute à cause de leur foyer, leurs femmes, leurs enfants. Alors il a décidé purement et simplement d'interdire les mariages. Malgré cet ordre, un prêtre continua de célébrer des mariages. Il s'agissait de notre Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit immédiatement arrêter et condamné à mort. Pendant qu'il était en prison, Valentin rencontra la fille de son gardien, une aveugle. Et l'histoire raconte que juste avant d'être décapité, il lui a rendu la vue en lui envoyant un petit mot qui a été signé « Ton Valentin ». Une belle histoire, n'est-ce pas? Enfin, malheureusement, plutôt une légende. Car en fait, nous ne savons rien de la vie de ce Saint Valentin. Et d'ailleurs, quand en 498, le pape a décidé de fixer la Saint-Valentin au 14 février, il a retenu trois Valentins. Notre Saint-Valentin, qui est lui mort en 270 après Jésus-Christ, un autre Valentin, contemporain aussi du 3e siècle, Valentin de Terni, un évêque qui a aussi été martyrisé, et puis un troisième Valentin, un Valentin africain, dont l'histoire n'a absolument rien retenu. Pour rester dans la légende, on dit aussi souvent que la Saint-Valentin a été créé pour remplacer une ancienne fête païenne qui était en vigueur chez les Romains, les Lupercales. C'était en hommage au dieu Lupercus, le dieu de la fécondité. Ce jour-là, des hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et s'ils en attrapaient, cela tournait souvent à l'orgie. Cette fête avait pour mission de favoriser la reproduction, la création de nouveaux couples et parfois même de légitimer des couples plus ou moins clandestins. Alors évidemment, on peut se dire que les premiers chrétiens se sont dit qu'il était plus simple de transformer une ancienne fête plutôt que d'essayer de la faire disparaître. Encore une belle explication qui est sans doute fausse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que jusqu'au 14e siècle, aucune littérature, aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Il faut en fait attendre le 14e siècle pour qu'une étrange tradition prenne naissance. En Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent. Les poètes du 14e et 15e siècle vont ensuite se charger d'inventer le mythe de la fête des amoureux, mais aussi fête des amitiés. Et puis ce Saint-Valentin est bien pratique, on ne sait presque rien de lui, on peut donc tout inventer. Et puis c'est au 19e siècle que le phénomène va connaître son véritable essor avec la création des Valentins, des petits mots doux que les amoureux ou les très bons amis s'envoient. Au 20e siècle, cela va se développer avec les cartes de vœux. Et puis la Saint-Valentin va devenir uniquement pour les amoureux. Le côté amitié va progressivement disparaître. Sachez qu'aujourd'hui, ce sont 1 milliard de cartes de vœux qui s'envoient à travers le monde le jour de la Saint-Valentin. Seules les fêtes de Noël font mieux. Cher amour, j'écris aux étoiles que si tu vivais parmi elles, leur éclat serait sous ton voile. Je t'aime, ma si belle, toi qui me donnes des ailes. Ouais, ça c'est bien ça. Ah, bonjour! Ah ben vous tombez bien, j'étais en train d'écrire un poème à ma compagne pour la Saint-Valentin. Oh oui, oui, j'entends les mauvaises langues hein, qui vont me dire que c'est ringard. Eh ben non, moi je trouve que mettre des mots sur l'amour, eh ben ça a un charme éternel. Et puis, ça me donne l'occasion de vous expliquer pourquoi on fête la Saint-Valentin le 14 février et surtout pourquoi ce saint est associé à la fête des amoureux. Et mon poème, bah, je le finirai plus tard, quoi, voilà. Le plus étonnant avec les traditions qu'on a l'habitude de découvrir ensemble, c'est qu'elles sont beaucoup plus anciennes qu'on le croit souvent. Figurez-vous qu'il existe une fête des amoureux depuis l'Antiquité, période où février était déjà le mois de l'amour. Les Grecs commémoraient le mariage de Zeus et Héra à l'occasion de grandes processions avec la statue de la déesse. Chez les Romains se tenaient à la mi-février ce qu'on appelle les Lupercales, de très importantes festivités liées à la fertilité et au plaisir de la vie, dont l'amour, bien sûr. La Saint-Valentin est quant à elle arrivée beaucoup plus tard, au 5e siècle après Jésus-Christ.
Mais qui est cet homme dont le monde entier invoque le nom pour parler d'amour? Eh bien, Valentin est un prêtre romain qui officiait au IIIe siècle après Jésus-Christ. À cette époque, l'empereur Claude II était engagé dans plusieurs campagnes militaires extrêmement sanglantes et avait du mal à recruter de nouveaux soldats. Il pensait en fait que les Romains étaient trop attachés à leurs femmes et à leurs familles pour vouloir aller combattre. Et pour y remédier, il fait tout bonnement interdire le mariage. Valentin, au nom de Dieu et au nom de l'amour, décide de continuer d'unir les amoureux dans la clandestinité, ce qui le mène malheureusement tout droit en prison. C'est là qu'il fait la connaissance de la fille de son geôlier, qui est aveugle et avec laquelle il noue des liens spirituels très forts. Et grâce au don que Dieu lui donne, il lui rend la vue. Juste avant d'être décapité, le 14 février 270, le prêtre aurait adressé à cette jeune fille une lettre signée « Ton Valentin » et voilà pourquoi, deux siècles plus tard, le pape Gélas Ier le déclare saint patron des amoureux et installe la fête de la Saint-Valentin le 14 février. La tradition s'est vraiment étendue et affirmée à partir du Moyen-Âge, bien épaulée par une croyance populaire liée à la nature. Au XIIIe siècle, notamment en Angleterre, on disait que chez les oiseaux, la saison des amours commençait le 14 février, très précisément. Un symbole que les sociétés de l'époque décident d'adapter en lançant une sorte de loterie de l'amour qui consistait en un tirage au sort qui rapprochait les garçons et les filles célibataires. Et ce n'est finalement qu'à la fin du XVe siècle que la Saint-Valentin est importée en France par Charles d'Orléans, qui était de retour d'Angleterre, où il fut prisonnier pendant 25 ans et où la coutume était très installée. Voilà, vous voyez bien que cette fête, qui est devenue aujourd'hui commerciale à l'extrême, hein, c'est vrai, puise ses racines dans des traditions très anciennes et dans l'énergie que mettait Saint-Valentin à célébrer l'amour. Voilà, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Et maintenant, c'est à vous de vous lancer dans la rédaction d'une belle lettre d'amour que vous offrirez à votre moitié au soir de la Saint-Valentin. Si, si, lancez-vous, vous allez éprouver la joie qu'on a et la joie qu'on procure à dire son amour. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt sur KTO. Ciao.